Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder le pipeline de réalisation d'un engin sortant de l'océan, de la simulation de l'engin sortant de l'océan et du rendu et du compositing dans Nuke. Donc ici, c'est une preview que l'on voit avec seulement deux systèmes donc de particules réalisées dans RealFlow avec Hybrido 2, de telle manière de pouvoir, donc dans un premier temps, sur Nuke, mettre en place notre compositing pour voir quels sont les visuels nécessaires à rajouter pour compléter et finaliser totalement ce visuel, notamment au niveau des systèmes de particules. Comme on le disait en introduction, chaque système de particules prenant en moyenne donc entre 800 et 1 Tera de données et quelques heures de simulation, de rendu simulation et de rendu visuel sous Krakatoa, eh bien, il est nécessaire pour optimiser donc notre travail de savoir ce qui va fonctionner déjà ou pas et ce qu'il va falloir devoir rajouter donc dans notre visuel pour que il soit donc cohérent, correct et visuellement intéressant. Donc ici on a une preview avec deux systèmes de particules. Donc on a l'arrière-plan ici que l'on peut voir avec différents visuels qui sont rendus, qui sont faits sous Mental Ray et Notion Shader dans Maya. Et on a donc ici deux systèmes donc de particules réalisé, simulé dans RealFlow et rendu donc dans Krakatoa. Voilà le deuxième ici qui est plus bruité hein, ici, voilà. Et c'est à partir de ces deux systèmes que l'on va commencer à caler donc notre visuel et on viendra en rajouter d'autres, notamment un peu plus de splash et de foam ici donc autour de l'engin pour compléter ce visuel. Okay. Donc on va regarder d'abord dans Maya la mise en œuvre donc, et la mise en scène de ce visuel et ensuite on va aller dans RealFlow pour la simulation. Donc dans Maya en fait on va venir donc avec un Ocean Shader caler la sortie en animation de notre engin qui tourne dans un sens, qui tourne dans l'autre et qui sort et qui se stabilise, voilà. Et on va vérifier donc avec l'Ocean Shader le moment de la sortie, donc ici vers 50, la frame 50, hein, pour voir quelle est la réelle hauteur donc ici de l'engin par rapport à la vague de l'Ocean Shader. Et le mieux c'est de faire une preview donc au niveau du rendu de telle manière d'être sûr donc de notre résultat. Ça va nous servir pour venir caler donc un niveau d'eau au moment de la sortie principalement pour pouvoir le caler ensuite dans RealFlow et le simuler donc avec Hybrido 2. Donc on va faire un pré-rendu ici donc de notre Ocean Shader avec l'engin et regarder réellement quel est donc le niveau d'eau par rapport à l'engin. Ici donc on a le rendu, voilà le rendu maintenant, et on voit que donc par rapport à ce que l'on voit ici au niveau de la caméra et niveau ici de la surface de l'Ocean Shader, eh bien on est un peu plus bas et en fait ici on est juste un peu plus haut puisqu'on a un effet de vague. On a limité la hauteur des vagues de telle manière de ne pas avoir trop de variations par rapport à ce que l'on pourrait attendre, de telle manière de pouvoir bien caler bien sûr nos systèmes de particules émergents avec l'engin sortant de l'océan. Donc voilà, cette ligne on va ici la définir. On va définir bien sûr à la frame 50-51 ici le niveau de l'océan, calculer tout ça et le préparer et le ramener donc dans RealFlow. Donc dans RealFlow, on va simuler une boîte d'Hybrido 2 de manière assez classique, sur laquelle on va lancer donc la simulation avec principalement la sortie donc de l'engin, enfin l'animation de l'engin ici, qui va générer donc un mouvement principal donc du système Hybrido 2, qui lui-même viendra générer donc un système de splash and foam que l'on pourra donc rajouter. Donc ici on voit, on est à la frame 46 déjà, donc la sortie de l'engin par rapport au niveau de l'océan que l'on a défini ici, et on continuera donc l'ensemble de la simulation comme ça, que l'on pourra donc ensuite sauvegarder donc au format .bin ou PRT pour
avoir directement le format Krakatoa, à savoir aussi qu'entre BIN et PRT, on gagne pas mal de place disque dur. C'est relativement intéressant de pouvoir aller chercher directement du format PRT, faire le rendu sous Krakatoa. Donc on va revenir maintenant dans Maya. Alors dans Maya, on va venir donc récupérer, importer les systèmes de particules, notamment puisque le reste de la mise en scène est réalisé avec l'Ocean Shader que l'on a mis en place. On va créer donc un render layer sur lequel on va mettre bien sûr l'engin donc en mate object au niveau des systèmes de particules. On va importer les systèmes de particules donc avec un PRT loader ici de Krakatoa qu'on a déjà vu dans les précédents tutoriels. Et éventuellement, on peut, pour venir compléter donc le visuel, avant de faire un PRT loader, de faire un PRT saver sur le premier système de particules, ce qui va nous permettre, à partir du premier système de particules réalisé dans RealFlow, générer plusieurs systèmes de particules, aléatoires qui vont donc avoir des fonctions, des caractéristiques aléatoires par rapport à l'émission, par rapport à la position et à la vélocité ici, comme on peut le voir, et on va pouvoir en générer, ici on va en générer 3, 5, 10, selon ce que l'on a besoin pour venir étoffer notre visuel. Ça, c'est vraiment très intéressant dans Krakatoa parce que ça permet, à partir d'une même simulation, de pouvoir créer donc plusieurs systèmes de particules cohérents ensemble que l'on va pouvoir donc dont on va pouvoir faire le rendu ensemble justement. Donc, on a notre ensuite une fois qu'on a fait ça, on peut importer ces systèmes de particules générés de manière aléatoire par rapport à un premier système. Ici, j'en ai récupéré donc trois. C'est suffisant pour une première donc preview ici. Et donc on a trois systèmes de particules ici, de 1, 2 et 3 sur les 5 générés. On va commencer avec 3 ici. Et on va pouvoir donc encore une fois faire le rendu de ces trois systèmes simultanément et étoffer donc notre visuel particulière. Donc à partir de là, eh bien, on va venir donc cliquer sur l'éditeur mode de Krakatoa. On a mis en place donc la petite astuce ici, c'est de venir mettre en place donc une texture sur donc le canal color à partir des coordonnées UVW paramétrées par rapport à la velocity. Donc le canal color ici, alors ça c'est donc la fonction dans Krakatoa add texture hein, ici que l'on retrouve donc apply texture. On applique donc la texture sur le channel color par rapport à l'UVW sélection velocity et on applique ici donc une texture et cette texture là est coordonnée donc avec l'Ocean Shader en termes de visuel puisque c'est une texture océan ici que l'on va pouvoir donc recaler par rapport donc à l'Ocean Shader généré, tant en termes de forme, de coloration, de turbulence, de foam aussi, pour obtenir un peu donc le même visuel dans les particules. Donc ça c'est la petite astuce supplémentaire ici, qui coûte assez cher en termes de temps de rendu et que l'on va finir donc de calibrer avec donc un éditeur Magma. Ici que l'on va donc alors utiliser de manière assez simple. Ici on a juste deux trois lignes de pipe où on part de la couleur que l'on a définie préalablement avec donc la texture Ocean et on repart aussi avec la velocity ici. Alors, j'enlève la position pour pas que ça trompe et on a donc color velocity ici. On va principalement utiliser la color ici pour l'envoyer dans le canal color, mais on va principalement utiliser l'émission ici. On va le voir dans le moteur de rendu Krakatoa. Donc l'output va être principalement ici l'émission, qui va être une combinaison du canal color ici, du channel color et du channel velocity que l'on va normaliser, sur lequel on va mettre donc un vecteur noise pour bruiter l'ensemble, une magnitude. On va l'additionner, en fait on va le soustraire puisqu'on fait un negate et on va en fait le soustraire par rapport au canal color de telle manière de générer par rapport à la vitesse
des particules plus ou moins claires et plus ou moins sombres, ton sombre et ton clair ici dans les systèmes de particules afin d'obtenir quelque chose de relativement bruité. Donc ça c'est pour la passe 2 et pour la passe 1. Ok, edit modifier. Voilà, le magma 3 ici. Voilà. On va travailler donc au niveau de l'émission sur quelque chose de plus simple par rapport à la position, en fait, de telle manière d'avoir à ce moment-là donc une variation de ton moyen à ton clair par rapport à la hauteur donc de la position. Donc j'utilise le canal Y ici de telle manière de jouer donc sur la luminosité des particules quand elles sont dans la partie supérieure donc de la simulation, ce qui paraît logique puisque les particules sont plus éclairées dans le ciel si on a une ouverture sur le ciel, ce qui est le cas dans notre compositing. Et donc à ce moment-là, on a tout intérêt donc déjà dans la simulation, on pourra rattraper ça un peu dans Nuke, mais déjà dans la simulation avec la position, de pouvoir travailler sur ce paramétrage de la hauteur des particules et de pouvoir les influencer en termes de luminosité donc par rapport à cette position sur la hauteur des particules. Donc c'est ce qu'on fait ici avec cette deuxième passe donc de magma. Et donc on va faire deux sorties, un de particules, un avec le magma donc que je viens de définir, le magma 3 ici par rapport à la position, et l'autre avec le magma 2 par rapport à la velocity. Donc ce qui fait que ça va nous donner donc deux visuels, hein. Donc visuel que l'on peut voir ici dans Nuke, hein, voilà celui-ci où on a donc une variation par rapport à la hauteur, hein, on a quelque chose de plus clair ici par rapport donc à la hauteur des particules. Les particules sont plus lumineuses sur la partie supérieure de l'engin, sans aucun éclairage supplémentaire au départ, ce qui est assez intéressant. Et le deuxième ici, qui est plus compliqué, plus complexe ici, que l'on pourra donc corriger, qui est bruité, parce qu'il y a ce fameux vector noise par rapport à la velocity, qui nous donne quelque chose de très agité, que l'on va pouvoir rajouter donc en mode add, en fait, screen, ou plus ici dans le compositing, dans Nuke. Donc voilà les deux passes de, je dirais, de démarrage de cette preview ici, qui nous permet de savoir un peu sur quoi on va pouvoir appuyer dans le compositing, quitte à ensuite à revenir bien sûr soit dans le rendu de Krakatoa, soit dans la simulation de Real Flow pour compléter ce visuel. Mais le fait de jouer sur la velocity, sur la hauteur des particules dans notre cas de figure bien sûr, et par rapport à la position de la caméra et par rapport au mouvement de l'engin, paraît relativement intéressant. Ok, donc voilà pour donc les paramètres de Krakatoa, à savoir que on va faire le rendu donc dans Krakatoa en mode shading mode, donc Kajiura Ki, et ici mode particule bien sûr. On va utiliser l'émission principalement. Les paramètres, ça va être d'utiliser le motion blur, le jittering, un petit motion blur de 60 ici en shutter angle, et puis de manière assez classique, on va forcer donc le XR, sauver donc les différentes passes pour le rendu si on en a besoin, le compositing, et puis ups, utiliser donc le specular level et specular power donc ici. Mais principalement donc le mode use émission ici, c'est pour ça qu'on a paramétré donc les magmas ici, je le rappelle, pour obtenir un output d'émission que l'on va donc réutiliser ici dans les settings de Krakatoa en cochant ici Use Émission. Ok. Ok, regardons maintenant donc le compositing dans Nuke. Donc dans Nuke, on récupère les différentes passes visuelles, donc de particulières et puis de fond. On va mettre un ciel ici nuageux en place de manière assez classique, et on va avoir donc un premier compositing entre donc le ciel nuageux et puis le premier plan ici donc de l'Ocean Shader avec l'engin. En combinant un peu donc des focus sur l'alpha du fond, en mettant un peu de light warp ici pour venir éclairer notamment l'engin en premier plan. On a donc des choses relativement classiques ici. Pour caler donc le ciel qui est une image fixe, on va traquer en
en 2D, ça sera largement suffisant. Une des plateformes qui est ici à l'arrière de l'océan, qui est sur l'arrière-plan ici, on va la traquer et on va caler donc avec un transform le déplacement donc des nuages pour rester cohérent. Et puis on va venir commencer donc à compositer ensuite les différents systèmes de particules. Donc le premier ici, qui lui est corrigé, alors notamment avec une roto alpha pour maîtriser donc son apparition au fur et à mesure de la sortie de l'engin. Ça c'est un petit travail donc de roto qui est un peu longué, mais qui va nous permettre de vraiment ajuster le visuel donc des particules que l'on veut exactement avoir présent donc à tel frame à tel moment dans la scène. Donc on fera exactement la même chose, donc on passe par un shuffle pour remettre l'alpha à 0, on remet une roto pardon avec un alpha donc dessus, ce qui nous permet donc avec le pre-multiply de pouvoir compositer rapidement. C'est le résultat que l'on voit ici sur le premier. Et ensuite, ici, sur le deuxième, voilà le rajout du deuxième système de particules. Donc avec le même travail, ensuite on aura éventuellement donc un travail de colorimétrie avec donc un gradient color correct. Ici un haut flow pour la couche sous-jacente qui sera un peu plus floutée. L'autre sera un peu plus nette, brillante, cristal particulière ici. Et sur lequel on viendra donc plaquer. En overlay les nuages de telle manière qu'on ait donc l'impression que les nuages se reflètent à l'intérieur, donc qu'il y ait de la réflexion des particules d'eau donc avec les nuages. Donc ici on vient récupérer à partir du color correct des nuages, on vient récupérer donc et un transform où on retourne les nuages, on vient récupérer ici un merge overlay qui nous permet donc d'obtenir juste une petite, voilà on le voit ici, coloration nuageuse des particules ici. Okay. Et l'ensemble, ensuite, on vient corriger l'avant-plan ici pour enlever quelques particules qui sont gênantes dans le visuel avec une petite roto alpha ici devant qui intervient beaucoup plus au départ donc de la simulation. Okay. Et l'ensemble donnant donc le résultat que l'on a vu ici. Bon, bien sûr, il y a quelques petites corrections à rajouter dans le paramétrage des hauts flots, du light warp, mais le principe de la pré-compo que l'on voulait obtenir est ici, et ça nous permet d'obtenir donc le résultat que l'on voit. Encore une fois, ici, ce n'est qu'une pré-composition que l'on viendra donc ensuite refinaliser en revenant donc dans la simulation de Real Flow, en rajoutant d'autres splash and foam, en rééquilibrant donc éventuellement un peu le niveau d'eau ici, la sortie de l'engin en l'ajustant. Mais dans ce genre de visuel, il est strictement nécessaire de venir donc réaliser ce type de pré-composition, de prévisuel, de telle manière de pouvoir ensuite bien travailler précisément et avoir les bonnes passes de simulation et de rendu ensuite. Et d'amener tout ça dans Nuke pour le compositing final. Voilà, c'est le travail que l'on réalise donc bien sûr dans nos formations de FX Simulation et de VFX Compositing ici, ou dans notre cycle 3D en deuxième année de spécialisation, où on voit précisément les différentes parties de ce pipeline ici que je viens de présenter dans ce tutoriel du jeudi.